Bonjour. Alors là, aujourd'hui, la petite vidéo que je fais, c'est pour vous parler de quelques livres très importants en ce qui concerne justement la science des anciens et notamment celle de la mesure, qui est vraiment fondamentale. Vous savez peut-être déjà, si vous regardez régulièrement mes vidéos et mon travail, ou le travail de Howard Crowhurst, d'autres chercheurs comme Eric Charpentier, que les peuples mégalithiques, et donc les plus anciennes civilisations, et les plus anciennes mesures que nous connaissons utilisaient une unité de mesure qu'on appelle le yard mégalithique. Elle a été découverte par le professeur Tom, donc il y a un ouvrage ici qui est important de cet auteur, ce chercheur. Et à l'intérieur de cet ouvrage, en fait, vous pouvez découvrir des dizaines et des centaines de plans même de cromlech qu'il est allé mesurer, donc en Écosse, en Grande-Bretagne et également en Bretagne. Et à partir de ces éléments-là, le professeur Tom a déduit une unité de mesure redondante qui apparaissait en nombre entier dans les diamètres ou les périmètres des cromlechs. Les cromlechs, ce sont donc les cercles de pierre. Donc cette unité de mesure qui vaut 82,9 cm environ, c'est ce qu'a déterminé le professeur Tom au début, elle a reçu un accueil plutôt froid de la part des historiens et archéologues qui trouvaient cela tout à fait impossible. Et en fait, c'est un élément très important, qui est même majeur. Récemment, j'ai vu une petite vidéo de Monsieur Lescope, qui est un ingénieur, un universitaire, qui faisait un travail de vérification des phénomènes astronomiques qu'on observe notamment à Krukunau, à Gavrinis par exemple. Et il confirme qu'effectivement, à Krukunau, le Soleil se lève bien au moment des solstices dans les diagonales. Il confirme également qu'à Gavrinis, au moment du solstice d'hiver, le soleil vient entrer à l'intérieur et éclairer la pierre du fond. Donc il confirme un certain nombre d'observations. C'est un phénomène que j'ai vérifié grâce à la simulation solaire. Donc, en faisant une simulation, donc avec les outils numériques, on peut restituer très précisément la course du Soleil maintenant et à l'époque de la construction du monument. Et on voit qu'effectivement, au solstice d'hiver, le Soleil arrive à rentrer et à s'aligner parfaitement sur l'axe du couloir. Au début des années 70, Alexander Thom, qui est un ingénieur écossais, Alexander Thom a fait un relevé très précis de Krukunau. Thom travaille depuis les années 30 sur le relevé des sites mégalithiques. Il est persuadé effectivement qu'il y a une relation avec la course solaire et une orientation stellaire des sites mégalithiques. Sur Krukunau, il fait un relevé et puis constate deux choses. Alors, d'abord, qu'effectivement l'orientation fonctionne parfaitement au solstice d'hiver et au solstice d'été. Et également, il fait ce constat que les proportions sont extraordinaires dans le sens où elles correspondent exactement à un triangle de Pythagore avec des proportions de 40 par 30 avec une diagonale de 50. Alors, quand on évoque 40, 30 et 50, ce sont des unités que Tom a déterminées comme étant le yard mégalithique. Un yard mégalithique aurait été une unité de mesure utilisée à cette époque-là. Mais ça, c'est une hypothèse que l'on ne va pas évoquer ou discuter maintenant. Et Monsieur Lescope, à un moment donné, évoque le yard mégalithique, mais timidement et surtout ne préfère pas trop en parler, ne pas rentrer dans le débat. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui dérange énormément. Parce que ça permet aussi de valider l'existence d'une science ancienne, à une époque où on considérait que nous n'avions que des chasseurs-cueilleurs. Et donc ça remet totalement en cause la vision qu'on a de l'histoire avec des peuples qui auraient eu une civilisation, une science, un état à partir du moment où ils ont fait de l'agriculture. Or, on découvre qu'il y a des connaissances scientifiques bien avant. Et donc, cet ouvrage-là est fondamental, mais ainsi que les publications du professeur Tom. Et il y a un métrologiste allemand qui s'appelle Rotländer qui a fait un travail de métrologie et qui a découvert les liens entre les unités de mesure telles que la coudée de Nippur, telles que le pierre roman, telles que la coudée royale. Et il a commencé à entrevoir les relations qu'il y a entre ces mesures et le yard mégalithique. Et il a fait un travail de publication, c'est un expert hein, qui a publié plus de 260 publications scientifiques, une soixantaine en métrologie historique. En France, son travail est pas connu, je dirais plutôt ignoré, peut-être de manière volontaire, parce qu'il dérange énormément. Hein, il établit des ponts entre des unités de mesure tout à fait inattendues, qui se sont prolongées dans le temps, et il le démontre par un travail méthodique.
C'est probablement, à ma connaissance, un des plus grands experts au monde en termes de métrologie historique. Donc maintenant, il est très âgé, je crois qu'il a 90 ans. Mais ses publications sont toujours disponibles, et donc je vous montre un extrait là, en quelques images. Il y a d'autres scientifiques très importants qui ont découvert le yard mégalithique dans leur travail. C'est par exemple, je prends l'exemple de ce livre, donc c'est un livre voilà, qui est écrit par une mathématicienne, Magdalene Mott, c'est publié donc édition de la Maison des Sciences de l'Homme, c'est préfacé par des universitaires, c'est une universitaire de haut niveau, une mathématicienne, donc c'est Eric Charpentier qui m'avait conseillé ce livre-là, donc je l'ai acheté. Et cette dame-là, en fait, elle découvre, à partir d'un traité d'arpentage du XIVe siècle, elle étudie d'abord ce traité d'arpentage pour comprendre comment les arpenteurs de l'époque faisaient et quelles unités de mesure ils employaient. Et au cours de son travail d'investigation, à sa grande surprise, elle découvre qu'au Moyen Âge, dans le Languedoc notamment, la région qu'elle a étudiée, les arpenteurs utilisaient une mesure et un ensemble de mesures issues du yard mégalithique, et elle le met dans sa conclusion finale, vraiment dans sa toute conclusion finale, elle explique vraiment que le yard mégalithique est une mesure qui a été employée au moins jusqu'à l'époque médiévale avec différentes variantes, et donc elle la retrouve, et je vais vous lire un peu ce qu'elle écrit. Elle écrit cependant que nous retrouvions la longueur de l'unité mégalithique déterminée par Sir Alexander Thom, 82,93 cm, au dixième de millimètre près avec les équations, qui ont respectivement pour solution 82, 92,7, 82, 93,2, 82, 93,3, etc., ne laisse pas moins d'étonner. Et donc, en fait, elle confirme à travers son travail, elle est surprise et elle découvre que c'est le yard mégalithique, qui est une unité qui s'est transmise au fil des siècles et des millénaires. Et c'est également ce qu'explique le professeur Rotländer, hein, si vous lisez un peu son travail, il démontre que dans toute l'Europe, dans toute une grande partie de l'Inde, en Mésopotamie, etc., cette unité de mesure s'est répandue et a été une des premières mesures, c'est l'origine même des mesures employées dans le monde. Et il le démontre en fait par des relations métrologiques simples entre les unités de mesure. Et évidemment, il y a des gens qui tentent de critiquer l'existence de cette mesure, et pour ça, ils se contentent de s'appuyer sur une ou deux études statistiques qui ont tenté de critiquer le travail de professeur Thom. Donc c'est une publication de Gérardin en français, une autre je crois, de Wiggle en anglais ou en anglo-saxon. En fait, ils ont tenté de refaire le travail de professeur Thom, mais en utilisant un autre outil statistique qu'on appelle le quantogramme. Le problème, et nous l'avons démontré, c'est que le quantogramme n'est pas adapté à ce travail-là, car il ne fonctionne que si, dans la série de mesures, il n'y a que une seule unité de mesure cachée et présente. Or, on sait, sans l'ombre d'un doute, que chez l'époque mégalithique, il y avait plusieurs unités de mesure qui étaient employées, dont le yard mégalithique. Et juste ça suffit simplement à montrer que l'utilisation du quantogramme utilisé par ces deux chercheurs, Gérardin et Ruegel, n'est pas adaptée. Et que forcément, ils ne peuvent pas découvrir d'unité de mesure avec la méthode qu'ils emploient. D'ailleurs, ça serait tout de même étonnant. Ça voudrait dire que dès le départ, ils admettraient qu'il n'existait qu'une seule unité de mesure. Et en fait, ces anciens n'ont pas conçu qu'une unité de mesure. Ils ont utilisé dès le départ de leur travail, de leur ouvrage, un jeu de mesures avec des relations entre elles pour des raisons particulières. Et ces relations, elles peuvent être des relations liées à des proportions, par exemple, de durée astronomique, par exemple. Bon, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais en fait, c'est un jeu de mesures avec différentes mesures qui se complètent et qui ont des relations entre elles, toutes simples, très particulières, parfois des relations géométriques, tout simplement, le rapport entre la diagonale d'un carré et son côté. Eh bien, ce genre de choses, le quantogramme utilisé par ces contestataires ne peut pas fonctionner. Donc ça, nous l'avons montré, nous l'avons rappelé. Et donc, il n'y a absolument rien qui permet aujourd'hui de nier l'existence du yard mégalithique, d'autant plus qu'il y a énormément de découvertes nouvelles qui ont été faites, des découvertes de terrain, de l'emploi du yard mégalithique sur de longues distances, donc par Howard Crowhurst, moi-même, Alan Becket aussi, Éric Charpentier également, enfin tout un tas de chercheurs alternatifs spécialisés, je dirais, dans l'astrogéométrie, qui utilisent les méthodes du quadrivium, découvrent en fait qu'effectivement le yard mégalithique est une unité de mesure fondamentale qui a été employée, pas seulement à petite échelle sur des grands lacs, mais à très grande échelle.
Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ses ouvrages, et donc notamment de ce savant, Rotländer, qui est un savant extrêmement important, qui est ignoré, je dirais, des contestataires de la science des anciens, parce que la science des anciens, elle démontre des connaissances extraordinaires, elle démontre des connaissances de la taille de la Terre, de l'unité de mesure métrique, qui en théorie aurait été inventée au 19e siècle, 18e, 19e, et évidemment, ça suscite des grincements de dents. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que justement les internautes, les passionnés du sujet, eh bien vous aussi, vous pouvez élever votre niveau de connaissance, connaître ces publications et les utiliser dans votre argumentaire pour défendre effectivement votre vision des choses. Parce que vous le savez actuellement, je l'ai fait dans une vidéo précédente, il y a des savants à l'université de Nantes, donc Serge Kassène entre autres, Cyril Chagnot, qui tentent de faire croire que le quadrilatère de Krukenau, qui est basé sur le yard mégalithique et de la géométrie et de l'astronomie, que ce quadrilatère serait factice. Hein, donc il va falloir, je pense, bousculer ces gens qui se prétendent scientifiques et qui accusent les autres d'être des pseudo-scientifiques. Ici, je vous ai donné des références de scientifiques de très haut niveau. Et donc, ben, allez-y, faites connaître, amenez-leur ces arguments, voilà, soyez solide au niveau argumentaire. C'est ce que j'essaye de faire, donc un travail de vérification permanent. Donc voilà, c'était cette petite vidéo qui accompagne cet article en hommage à Rotländer. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres informations culturelles, sciences des anciens. Je rappelle que nous organisons un événement au fait du 20 au 22 mai avec Simon Ferrandou et moi-même. Et sur cet événement, donc, on va faire quatre conférences et voilà, on a des sujets passionnants. Allez voir sur le lien que je mets sous la vidéo pour voir ce qu'on va aborder dans dans ce week-end. Voilà, je vous remercie. Et puis, la dernière promo que je fais, c'est plutôt pour Epistemia TV. J'en ai déjà fait la promo, mais Epistemia TV, donc c'est Howard Cromwell qui a lancé ça. Et c'est tout à fait passionnant puisque régulièrement, il publie des vidéos pour vulgariser auprès des gens qui veulent découvrir cette science ancienne, ses principes et ses méthodes, eh bien, tout un tas de vidéos pédagogiques qu'ils ont remasterisées et des découvertes nouvelles. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre également. Voilà, je vous souhaite bonne journée, bonne nuit, comme vous voulez. En tout cas, plein de belles choses et je vous dis au revoir et à bientôt.